La dernière audition de Monsieur Mas avant la clôture du dossier, en présence de mon confrère et donc conseil de Monsieur Mas, il indique clairement, je reconnais toutes les infractions qui m'ont été reprochées. Ça fait 3 ans qu'on réclame à corps et à cri la création d'un fonds, ça n'a pas été fait. Modification des règles de sécurité, ça n'a pas été fait. Et les scandales se sont multipliés après. Mediator et pilule de 3e et 4e génération. Donc rien n'a été fait au final. L'État devra assumer la facture financière s'il y avait un renvoi, mais également la facture morale de l'ensemble de ces victimes qui vont attendre des années avant d'avoir un procès équitable, une reconnaissance de la qualité de victime, mais surtout le début d'indemnisation qu'elles attendent depuis le début. Et j'entends ici et là que 1 000 ou 3 000 euros, c'est peu, honnêtement, qu'ils osent le dire devant nos clientes. Que 1 000 euros, ça leur ne permettrait pas de pouvoir être opérés, c'est complètement faux. On en a encore reçu une la semaine dernière à notre cabinet. Impossibilité de se faire opérer depuis 6 mois parce qu'elle n'avait pas d'argent. Elle a appris jeudi dernier qu'il y avait une rupture. Elle n'a toujours pas les moyens de se faire opérer.